Super les tricks, hein, super. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kylian Larère. J'ai un poustillon en bas de ma lèvre, donc je vais l'enlever tout de suite. Vous êtes sur une chaîne de trottinette freestyle. Je suis trottinette rider professionnel et aujourd'hui je suis avec mon frère Maël, qui lui aussi trottinette rider professionnel. Salut les gens. Retourne la caméra. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout de suite à vous abonner, mettre pourquoi pas un petit pouce bleu. Et si vous pouvez, commenter, pas forcément maintenant, plutôt à la fin de la vidéo, c'est plus logique, je répondrai à tout le monde. Aujourd'hui on est avec deux jumeaux. Coucou. Ouais mais présente-toi au lieu de faire une crise d'épilepsie. Flex Evans. Voilà, c'est 3 ans je ride. Luc Evans. Hop là. Vers septembre, octobre, je sais plus. On a fait un out où il y avait Mel avec Alex et moi qui étais avec Luc. J'ai gagné le premier out et la revanche était trop nulle, je sais même plus qui avait gagné. Et donc aujourd'hui, on va faire cette fameuse revanche dans notre local à Jules Moutier. Le soleil il fait beau, c'est le premier vrai beau jour du printemps. C'est parti, on commence tout de suite. On a gagné, on est plus fort. Fait parfait. Ouais. Voilà. On commence. On commence un truc gentil quand même. Ouais, monsieur, c'est des gros rats. Ah, c'est des rats. C'est des gros rats. Et on est en raterie. Là, je commence par Buttercup. Vas-y. Faut mon flop petit t-shirt et genouillère. J'ai perdu avec ton body. J'ai perdu ma valise à l'aéroport. Vous voulez un ridou ou ça passe parce que j'étais un peu en arrière? Non, ça passe. Okay. Clairement en arrière même. Réception manuelle frère. C'est un out normal avec 3 essais pour tout le monde à chaque fois. Les particularités sont que dans une équipe, une personne n'a pas le droit de faire plus de 2 essais d'affilée d'un trick. Et la deuxième règle, c'est qu'une personne qui rentre un trick n'a pas le droit de rentrer plus de 2 tricks d'affilée. Donc j'espère que vous avez bien compris les règles. De toute façon on va jouer, vous allez comprendre. Mon teammate était concentré pour faire son trick. Spécimen là-bas là. Et là il fait un bruit de paix. Donc ça. On va dire, il y a 3 avertissements. Au bout de 3 avertissements, c'est une lettre pour eux. Vas-y, le talon. Le talon. Déjà, attends. C'est quoi? Non, mais attends. Laisse-moi, tiens, prends ça. Je vais mimer parce que j'ai une vision périphérique. Et ça te rappelle quelque chose, ça, le deuxième 180? J'ai vu ça, moi. T'as vu ça? Vas-y. Doubler le 180. Dès le début, ils commencent à jouer encore comme des p*** sur genre les points faibles des riders adverses. C'est une bonne stratégie, mais c'est totalement pas sportif. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je me suis beaucoup entraîné sur les lignes, mais ça reste quand même mon point faible. J'ai encore un essai. Si je le rate, on a encore un essai, mais c'est forcément à Luc de le faire. Mais c'est pas le faire. Donc je vais essayer. Je vais essayer. J'anime une navire. Vu que t'as le dernier essai de ton outil. Non mais je vais faire strike. Tu sens comment? Quoi? Non. Tu fais ton essai ou pas? Non. Vas-y, oh c'est bon. Ouais, vas-y. Attends, je faisais la miniature. Les perdants. Du coup c'est à moi. Ouais. Je lance finger kick. Play out du coup? Ouais. Ah, ton frère il fait le mec alors qu'il fait du fly out. Moi juste que moi. Non. Bien sûr que si. J'ai mis play maintenant. Allez. Putain, j'ai raté. Lance. Attends, dis-moi avant. Un petit whip front coup de court. Oh, c'est bien. Non, mais je. Whip front coup de court. Ok. Oh là 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 là. Oh yes. Je vais faire un barcelon après. Ouais, c'est pour un kick. Prendre 2 bits. Donc là, j'ai mis un trix. Et là, qu'après, j'aurais mettre encore un trix. Mais forcément, après, ce sera lui qui devra mettre son trix. J'espère que vous avez compris les règles parce que franchement, j'en ai pas à l'expliquer. I speak blunt finger. T'as dit quoi sur le double hit court? C'est grave moche. C'est moche? C'est grave moche. Dites en commentaire c'est moche. Il est fermé du sable. Et maintenant le K-Gang, parce que vous savez, c'est. Mel, on s'en fout de lui. Maintenant. Dites que c'est nul. S'il vous plaît. On me scoute 180. Tout à l'heure, il faut quand même des trucs nuls, hein. Wow. Finger. Je guéris la plateforme. Parce que trop de fly out là, ça fait mal. Là, je fais en faut penser au module, les gars. Arrêtez d'être là comme ça, on pense autonome. Bon, module. Je sortir, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Yes. J'ai entendu 2 personnes qui ont dit je le mets pas, c'était pas moi ni Luc, je sais pas qui c'était. Hein. Non, je lance Umbrella R. En fait, ce out n'a ni queue ni tête parce que c'est des deux frères qui sont les uns contre les autres, donc on sait exactement quels sont les points faibles de chaque rider. Donc c'est un peu complexe.
Vas-y, danse ton tricks de merde. Oh, allez, t'auras plus de temps pour mettre tes pieds. Non. Déjà, retenez ça les gens. Plus vous avez de hauteur, plus c'est possible de mettre un trick. Là j'étais au nuage, j'ai failli faire une zipette. Non mais là tu vas les mettre en air. Bah oui. Allez, mets-le en air. Je vais faire un try. Rappelle-toi, c'est deux essais d'affilée, Max. J'ai pas le mettre, mais... J'ai jamais fait André de ma vie. Alors pour le faire en air, en deux essais. Oh, et là, ça peut passer. Ça passe. Allez, Dante, my boy, give me the trick. Oh non, Jason, j'ai mal à ramener pour le nerf. Bah c'était pour l'honneur, dommage, ça fait OU, génial. Super les tricks, hein, super hein. On craque, c'est à moi de lancer, non? Ça c'est à moi de lancer, non? Tu lances quoi alors? Oh, j'ai réfléchi. C'est la salope. Ah, mais je vais faire barre, flair barre. Entendu, c'était une blague. Allez, cherche la coupe. Je peux faire un petit flair avant? Vas-y, fais un flair. Là, courbe et plate. Mets-toi de ce côté-là, parce que si je lâche à trop, t'es pas allé. Je vais faire barbri, les gars. Yo. Finger kick encore. Parce que c'est une salope avant. Ah, âme et conscience. Vas-y. Il y a Ridou. Il tout barre. Et il lance stall sur la barrière qui est derrière. T'as fait un bar, non? Ouais, mais... J'avais pas dit ça, j'ai rebondi. Bon les gars, je vais faire un petit whip en bré là. Ça gagnera. Enfin un petit. C'est normal. Whip qui a une petite pièce. En plus, déjà, je suis parti sur le côté là, c'était chelou. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un grand amour entre moi et tout ce qui est kickless. Donc là, on va partir en lune de miel. J'ai mis une lettre. Voilà. Je fais barre courbe. Putain, le coup de ta barre. Elle est vraiment bon. Il a triple 180. Quoi ce coupe de merde? C'est ouf mon gars, je pensais qu'elle décollait moi. Elle est plate. Je serais chaud d'un petit flair sur la courbe du volcan. Non, t'as vu ce qui s'est passé? Non, je peux pas vu. Ma genouillère, elle s'est accrochée frère. Ah, j'ai pas pu tourner. Je l'ai raccroché encore. Il est content. Ah non, ça me saoule, ça s'est raccroché, j'ai pas y rater encore. Alors je vais lancer Briwip là. Du coup je fais whip contre coup de Pyra. Voilà, comme d'hab, zéro tricks. J'ai essayé de terminer sans un flair bar. Bridrop dans le vue là? Ouais. Oh, attends, vas-y. Oh,
C'est bon, arrête-toi là, arrête-toi là. Oh là là. Ça c'est dans la vidéo. C'est gros. C'est équipé. Ouais, bah je peux pas le faire. C'est une blague. La vie. La vie, hein, moyen. La vie, ça passe, gros. T'es en compète. Oh la vie de... Je suis un sweep front scoot flip. Vas-y. Je sais pas si vous avez entendu les gars, mais du coup Kylian il va test. Donc sur le transfert qui est là-bas. Front scoot. J'ai arrivé avec tellement de vitesse mon gars que j'ai peur d'aller trop loin. Il y a pas de longueur. Bon les gars, du coup là, et pour essayer de terminer ça out, je vais faire backdrop. Et il y a un objectif, faut pas que je trouve mon jean. Parce que c'est pas mon jean de rail. Et faut garder les bonnes affaires pour les bons bails. Bon, clairement, moi les gars, j'ai mis backdrop il y a une semaine sur une plus grosse courbe. S'il le met, je le ferai pas parce que je suis pas encore à l'aise pour le faire sur cette petite courbe. Donc peut-être le truc de la fin. Je ne sais pas, je ne sais point, je ne sais plus. Sécurité en tout premier, les gars. Ah, vrai BG quand même. Bon bah voilà, sur ce les gars, on est clairement les grands perdants. Il n'y aura pas d'autres épisodes parce que j'en ai marre de ce format. Parce que je me fais battre tout le temps. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci au Rey. Allez les follow aussi. Ouais, tu vois, il a fait. Ouais, j'ai vu quoi. Mais attends, il y a une interview pour le time. Allez, ciao les bêtes, à plus.